Notre communauté des Carmélites d'Alençon est arrivée dans cet ancien manoir de Cuisset il y a 2 ans, le 5 août 2019. Le quartier d'Alençon où nous étions implantés depuis 130 ans était devenu beaucoup trop bruyant et nous ne pouvions plus continuer la vie monastique. Ici, nous ne sommes qu'à 8 km de la ville natale de la petite Thérèse, mais c'est le calme de la campagne. Ici, c'était une piscine. Notre architecte l'a transformée en chapelle provisoire. Quand la chapelle définitive sera construite, cette chapelle provisoire deviendra la salle capitulaire. Avec la vente du monastère d'Alençon, nous avons pu financer l'aménagement de ce bâtiment des écuries pour en faire au premier étage des cellules pour les sœurs professes et des cellules pour le noviciat. Et nous faisons nous-mêmes les peintures. Et au rez-de-chaussée, ce sera l'infirmerie pour nos sœurs âgées que nous soignons jusqu'à la fin. Beaucoup de vocations se présentent. Nous étions 10 en arrivant ici. Maintenant, nous sommes 13. En novembre, nous serons 17. Et beaucoup de jeunes filles attendent pour nous rejoindre. Nous ne pouvons plus rester dans le chœur et la chapelle provisoire. C'est vraiment trop petit. Nous avons récupéré les stalles pour le chœur des Carmélites et tout le mobilier liturgique. Pouvez-vous nous aider financièrement à finaliser notre future chapelle? Vos talents de bricoleur seront aussi la bienvenue, si vous pouvez nous donner un peu de votre temps. Pour financer ce projet, nous n'avons pas les fonds nécessaires. Nous avons besoin de faire appel à des mécénats, à des dons, pour financer la chapelle et mener à terme la totalité de la construction de notre monastère. Le montant de la chapelle seule, sans le chœur démonial et le clocher, s'élève à près de 700 000 euros. Nous avons besoin de votre aide et nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien. Merci du fond du cœur de la part de toutes les carmélites d'Alençon-Cuisset. Nous prions pour vous tous les jours. C'est pour vous que nous sommes entrés au Carmel. Merci.